va? Je pète le feu. Cool, parce que le bateau est presque prêt, on rentre chez nous. Je pars pas. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu pars? J'ai trouvé ma place. C'est ici, sur cette île. Jason, t'es sérieux? Lisa. Je comprends rien à ce qui nous arrive. Pour la première fois, je sais exactement ce que je veux. Et j'ai pas l'intention de passer à côté. T'es enfin un homme, j'ai tellement attendu que ça arrive. Et maintenant tu me laisses tomber. Au revoir, Lisa. Lisa, laisse-le partir. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972 et vient de se faire plaquer et c'est dur, dur. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Oui, le truc de pilule rouge. Eh, je vais me taper un bad trip, je vais voir leur sang en parachute. Enfin, voir, on le voit au début, mais... Attends, je vais interagir avec eux pour voir. Pour ton retour à Wall Street. Suffit de bien jouer ses cartes. Sois fort. Ouais. Attends, c'est pas possible. J'essaie de voir si je peux interagir avec tout le monde. On se parlera plus tard. Merci. Oliver. Hey! Écoute, t'as pas du tout à t'en faire parce que je vais rester ici avec le docteur Earnhardt. Il faut que tu rentres. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Pour parler à ma mère. Merde. Ok, ok, je vais le faire. Attention à toi, d'accord? Toi aussi. Putain, mais moi je veux parler à la meuf là. Tu vas me manquer, mon pote. On se parlera plus tard. Merci de m'avoir sauvé. Mais... Non, je peux pas leur parler, ça me fait chier. Et là, y a pas les petites pilules qui sont apparues par miracle? Non! Bon bah, je saurai jamais ce qui m'arrive. Oh, comment tu me parles là? Parle-moi mieux. Interagir, interagir! Mais non, je peux pas. Débat. Bref. C'est jamais facile, c'est triste. Hein. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Bon. C'était dur. Plus dur que j'imaginais. Allez, on se recentre. Maintenant, l'agent Willis. L'agent Willis, en effet. Qui se situe. Se situe. Ouais. Le point n'est pas encore apparu sur la carte. Cette recette devrait être tireur d'élite. C'est quoi ça? Oh! Cocktail simulant naturel qui octroie une précision améliorée depuis le tir à la hanche. Ah d'accord. Ouais, mais non. Par contre, je vais me faire des seringues boost d'endorphine. Accélère votre production d'endorphine et gagnez 4 barres de santé supplémentaires ainsi qu'un soin complet. Ah, genre au lieu d'en avoir 6, j'en aurai 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Non, d'abord, je vais me faire des seringues vertes. Attendez. Ainsi qu'un soin complet. Non, bah, autant que je fasse ça alors. Alors, à la place de ça. Voilà. Je vais m'en faire. Voilà. Mode PGM activé. Mais sinon, il est où le point d'exclamation? Je le vois pas sur la carte. Il est peut-être caché.
En tout cas, c'est gavé chelou là. J'ai même pas de distance, rien. Enfin bref. Alors. Allez, on va aller par là. Et on verra bien. Bon. Parce que c'est chiant, c'est bizarre que je ne vois pas le, sur la carte. Bah le point quoi. La nuit est belle. Je me demande si je vais les revoir mes potos. Enfin avant qu'ils partent ou pendant qu'ils partent. Seul le temps nous le dira. En tout cas ça m'énerve ça qu'il n'y ait pas son point là. Je suis où là? Je suis ici. Ah là! Putain, c'est bon, je le vois. Ouais, il était caché derrière le truc d'avant-poste à Manaki des bas. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Allez hop, j'achète des munes. Ouais, en fait, je suis déjà riche. Attendez, je vends des objets useless. Hop, je crois que c'est bon. Et le Vector, c'est une arme. Une boucherie. Alors, attention. Non, je reste là. Sans moi, cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141, on décolle ce soir. C'était bien de bosser avec vous. Hein ? Merci. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Difficile. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. Si vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent, il est encore en vie. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller ? Survol l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer, je vous envoie les coordonnées. Parfait, j'y serai. Voilà, je vais faire un saut en parachute. Avec ou sans vous. Ça veut dire que je dois me dépêcher, c'est ça? Oh putain, je prends le quad. Et j'arrive. Faut pas que je me crache par contre. Faut que je fasse le con avec le quad. Y'a une route sur la droite là? Je vais essayer de la rejoindre. Magnifique. Attendez, je regarde parce que je vois qu'il y a un pont. Je suis où? Je suis là. Ouais, j'aurais fallu que j'aille traverser le pont. Attendez, j'ai pas regardé le chemin numéro 2. Ouais, faut que j'aille traverser le pont. Hop là, vite, 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 il me reste 4 minutes. Alors attendez, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Normalement oui, hein, pourquoi j'y arriverais pas? En tout cas, le quad, c'est vraiment un véhicule magnifique. Mais bon, il est assez raide à contrôler. Bah, dès qu'on tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Attends, là, je dois aller où? C'est où que j'aille, en haut ou en bas? En bas. En bas, je vais droit et puis après à gauche dès que je peux. Merde, non, 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 s'il te plaît. Go, 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 le quad. Il y a la roue qui s'est pris un morceau de caillou, quoi. Allez hop, c'est parti. J'ai envie de couper à travers champ, là. C'est risqué, parce que si je crache mon quad, c'est foutu, quoi. Ce serait bien que je rentre dans l'avion, comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, genre il est en train de décoller sur la piste, tu sais, avec le cul ouvert et que je rentre dedans. Avec le quad. La gavé stylé, ça aussi. Allez, monte. Plus vite. Je tire à droite. Allez, on va prendre la droite. Ah, c'est ça ton avion? Je pensais à un putain de truc, genre à C-130, tu vois. Hop. Hop. Attends, mais il y a une mitrailleuse lourde là, je suis sérieux. Ah merde, c'est trop nul. Hop là, magnifique. Ces cocos lui ont bousillé les ailes, il faut que je répare ça. Les cocos? C'est quoi ça, les cocos? Quelque chose me dit que la mitrailleuse lourde va être utile là. Oh
Ah, je le savais. Hop là. Hop là, ça c'est bon ça. J'adore les mitrailleuses. Je regarde un peu partout là. T'as juste le soleil qui se lève à ce moment là, tu vois, bien pour t'aveugler. J'ai vraiment pas eu de chance hein. Et merde. Tata tu die aussi. Et où? Où tu rentres dans la maison, toi, t'es sérieux? Attends, appuyez sur... Voilà, des munes. Hop, déjà mort. Cette arme, elle est énorme. Tu sais, c'est une arme signature, une arme spéciale. Bon, t'as fini de le réparer ou quoi, là? Tu veux que je te donne un coup de main? T'as sûr que je peux lui donner un coup de main? Enfin, quand je dis lui donner un coup de main, vous savez, si j'avais eu l'outil de réparation. Putain, le soleil, il se lève, mais bien comme il faut. Waouh, regardez-moi ça dans le viseur, c'est joli à voir, ça. C'est le genre d'effet que j'adore. Oui, t'as la moitié, mais je vois pas d'autres pirates, là, en fait. Oh, des mines. Attends, je vais aller en poser un peu partout. Oups. Je me suis bouffé ma mine. Ça m'a enlevé 6 barres de vie. Je suis déçu. Je suis fort déçu. Oh, ne me dis pas que je vais recommencer. C'est ça. Il y a beaucoup qui m'ont demandé en quel mode de difficulté je joue. Je joue en normal. Hein. Je tiens à le préciser. Au cas où. Alors attendez. Oh merde, c'est pas ce bouton. Mais à chaque fois, je crois que c'est le bouton, la molette du milieu pour la roue des armes. Et c'est chiant quoi. Genre, je vais mettre un truc là. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Ah. 2 secondes que je prenne la mitrailleuse. C'est bas. Putain, il a mis 20 ans à équiper la mitrailleuse et à pouvoir tirer avec. Soigne-toi! Mais soigne-toi! Oh! Heureusement que j'ai acheté ce truc là qui me permet d'avoir déjà 1 6 barres de vie et 2 de me soigner 6 barres de vie avec une seule seringue. Wouah! T'es sérieux toi? Tiens, je te ken, survivant de l'enfer. Moi j'ai bien aimé mon jeu de mots. Alors attendez. Mettre d'autres mines. Faudrait pas que je remarche sur la mienne, hein, ce serait fort dommage. Hop merde. Toi, j'ai un traitement spécial pour toi. Il va marcher dedans. Ah merde, j'ai fait péter ma mine. Et là, il y a un véhicule qui va arriver. Bim boum. Ça, c'est ça le sniper là. Qui est trop puissant, mais je l'ai pas acheté en fait. Je sais pas, je fais une mission avec et je l'ai gardé dans la main. Donc je vais pas le changer, tu vois. T'imagines un silencieux là-dessus, pouah, la boucherie quoi. Hop. Et boum, non?
Voilà. Oh merde, mais j'arrive pas à viser parce qu'il recharge et ça boue. Voilà, toi tu die. Bon, tu te répares ton coucou. Ça suffit là, non? Oh, mais tu vas toujours fixer le même boulon, en plus t'es à distance quoi. Rapproche-toi un peu. Ils vont arriver par où les prochains? Si tant est qu'ils arrivent. Non, c'est étonnant qu'ils arrivent, il va finir là. C'est bien. Et c'est là la voiture? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Putain de blindé. Trop puissant ce vecteur. Ah, il se bat maintenant. Oh putain, il est là-bas. Oh mais... Voilà, terminé. On n'en parle plus. Hop. Je recharge. Hop. C'est tout ce qu'il y a? Putain, j'ai pris toutes les munes. Allez, Coco, on y va. Saut en parachute. Jason. Montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Vous voulez rire? Change d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci. Oui, parce qu'alors, en Russie avec ce truc... Montez. Montez, je vous dis. J'ai pas mis de parachute. Oh, oui, avant que j'oublie. Mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. D'accord. L'hymne américain. J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh oui! Je vais bientôt sortir de ce trou! Nickel. Et mon parachute. Je sais qu'il y a un trophée, c'est sauter en wingsuit à la deuxième île, et je pense que c'est là. What do you mean by that? Said the caterpillar sternly. Explain yourself. Qu'entendez-vous par là? Dit la chenille d'un ton sévère. Expliquez-vous. Je crains bien de ne pas pouvoir m'expliquer, dit Alice. Car vous voyez, blablabla, je peux le temps de dire. Je vois pas du tout, je peux le temps de dire. I don't see. Je suis effrayé, mon ami. Ah, voilà! C'est là que je vous drop! Il vous reste qu'à vous envoler! Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit! Bras et jambes tendues et ça ira tout seul! Bonne chance pour la Russie! Comment ça, bras et jambes tendues? Ah, j'ai pas de parachute, j'ai juste un wingsuit. Enfin, j'ai dit wingsuit, mais bon. Wouah! Tends les bras, tends les jambes! Ah, ouais. Ah, c'est trop stylé! Incroyable! Par contre, ce serait fort dommage que j'atterrisse sous l'eau. Débat. Échec de la mission. Oh merde. Mais j'avais sur match trop tard. Comme si je devais savoir, tu sais. Si j'ai mis trop long, il a mis trop de temps. Là. Voilà, ils auraient dû me l'afficher dès le départ. Voilà, tu vois, là j'ai le temps. Comment je kifferais faire ça en vrai. Incroyable.
Wow, en plus avec le FOV là, oh, on a l'impression qu'elle est trop loin, Ellie. Là, on a l'impression, oh, on a l'impression qu'elle est trop proche. Voilà. Là, je peux le tourner au moins. Contrôle du parachute, voilà. S accélérer, Z ralentir, Q aider, diriger. Oh là là. J'ai fait du parachute une fois et ça y ressemble un peu. Hein. Hop là. Alors on va essayer d'atterrir pile sur le point. Voilà. Ça y est, je suis à l'île sud, les amis. Tuez les pirates et prenez leur camion. Oh, le tigre, il a planté, quoi. Tue pas le tigre. Vilain de tuer le tigre. Par contre toi tue-le. C'est bon, il s'enfuit. Alors, je me méfie quand même hein. Est-ce qu'il y a d'autres animaux sur cette île? Non, je pense pas. C'est vrai, pourquoi je prends pas le camion? Ou même le bateau. Et hop. Oh, il y a même un petit ventilo. Débarre. C'est le mec qui est heureux d'avoir un petit ventilo dans ce truc, dans son camion. Alors, une île inconnue où je vais devoir découvrir. Je demande que ça. Et c'est l'envoi. Quoi? Propriété privée. Débat. C'est quoi cette armée jaune là? Le Crazy Cock. En tout cas, c'est écrit propriété privée, je suis rentré normal. C'est quoi ces mecs en jaune? Attention! Salut! Hier? Ouais. Dollar américain. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Bonjour. Où est-ce que tu vas? Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. J'ai de la thune. Ça ira? Oh non, je vais pas devoir jouer au poker et gagner. Ça va être long. Oh la bonne barbe là. Oh, oh la vache lui. Willkommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. Je suppose. La vache. Oh non, je vais devoir jouer. Bon alors, on va essayer de gagner. Heureusement que... Bon bah l'épisode va durer 2h30, je vais jouer au poker. Je vais suivre. Un 7 et un 4. Je vais relancer. Je vais suivre.
C'est quoi la mise là? Faut que j'entre 5 dollars. Je vais rentrer. Je me couche. On va voir. Moi je me couche jamais avant d'avoir vu les cartes. 6, 3 et 5. Je vais checker. Bon, pour ceux qui ne savent pas jouer au poker, en gros on a 2 cartes. Dans la main. Là j'ai un 7 et un 4. Le but est donc de faire des combinaisons. Genre une paire, une suite. Et donc, là j'ai une suite. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, je fais 4. Regardez là, j'ai le 4. Et ça fait 5 et 6 avec les cœurs là. Donc là, je vais faire genre, je check. Je vais checker. On va checker. Et à la fin, nom de Dieu, 3, 4, 5, 6. Je vais checker. Donc là, vous voyez, là on a tous une paire. Parce qu'il y a 2, 3 dans le. Dans le. Comment on appelle ça encore? Oh, je sais plus. Mais là, il y a. Il y a tout, donc forcément, mais là j'ai une suite. J'ai l'impression que c'est scripté, hein, parce que faire une suite comme ça, c'est pas possible. Attendez, je vais essayer de miser un peu plus. Je mise 10 dollars. Alors ta mise. Je vais relancer. Je vais suivre. Ah, tu suis. Je crois que lui, il va me suivre jusqu'au bout, là. Même si je mets tapis, il va me suivre, ce connard. Putain, on a tous un brelant. Et une suite. Je vais mettre tapis. Je mets le tapis. Couché. T'as raison. Couche-toi. Putain, j'avais une suite, quoi. Des barres. Parfait. Ah, mais genre, je jouais normal, là? Oh, mais j'ai eu trop de chance. Première main, une suite, quoi. Des barres. Ou bien, à moins que ça soit scripté pour que je gagne, tu vois, pour l'oncle Bilout, hein. Enfin, l'oncle. Pourquoi j'appelle oncle? Parce qu'il s'appelle Sam, j'appelle oncle, tu sais. Oncle Sam. Bon, allez. Oula. Bon, cette partie m'emmerde. Terminée pour ce soir. Quoi, déjà? Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors? Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. Good. Le type... Oh là là. Un vrai. Putain. Moi aussi, j'arrête. Je vous ai niqué. Ouais. On ne rembourse pas. Débat. Alors, Sam. Ouais, non, ça devait être scripté, c'est pas possible. Pour qui est-ce que tu travailles? Willis, m'envoie. Voilà. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien, enfin, je crois. Lance. Oh, comment je kifferais me faire un truc dans derrière le crâne, là. Aïe. Où est-il parti? Genre, il a disparu, le bordel. Genre, c'est des favelas et tout. Waouh, en tout cas, c'est gavé stylé. C'est dommage que ce soit scripté, la suite, là. Enfin, je crois, hein. Donc, bah, dites-moi si vous aussi vous jouez au jeu, si vous êtes déjà dépassé ce stade. Si ça vous a fait exactement pareil ou pas. Remplissez des conditions. Ah oui. Attendez, appuyez sur F pour tuer un artilleur lourd ou un lance-flamme. Ah oui, au cac. Et là, j'ai quoi? Ah oui, oh non, je veux ça. Foulée du ninja. Diminue le bruit de vos déplacements. Ça! C'est stylé. Ah, c'est le tatouage, il commence à... Salut. Tu veux un coup de main? Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis en dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission? Je dois tuer Hoyt. Scheiße! Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein? C'est toi qui as tué Vass. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt! Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, hein?
Les autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. À quoi tu penses ? Odoria. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer, c'est l'habit qui fera le moine. Comment ça ? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. À chaque fois que j'ouvre une porte, je m'attends à voir la tête de Vas en gros plan. Bref. Allô ? Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt ? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet si tu survis. T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Ouais, ta gueule. Voilà. En gros, c'est ça. Attends, mais si j'ai une tenue et tout, et que je la porte et que je la garde... Oh putain, on peut faire un saut de ouf ici. Ça... Oh, ah oui, mais c'est vrai. Oh là là, avant je me baladais... J'étais en train de courir là, sprinter. Je me disais, ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que là, j'ai aucune influence. Ouais, ouais, ouais. Ah, je crois que ça va que le type, il doit être à la première tour, comme de par hasard, et que ça va me permettre de la débloquer, d'être tout en haut. Il faut que je fasse attention, là. Aïe, aïe, aïe. Hop là, c'est parti. Bon, en tout cas, quand je cours là, je fais presque pas de bruit. Ça, c'est bon, ça. À part, bien entendu, quand je passe dans des plantes. C'était vilain, ça ? Ah, c'était vilain, ça. Non, je passerai pas dans l'eau. Par contre, si je vois une voiture, bien entendu, là, je saute dans l'eau. Là, y a pas tof-tof, hein. Oh, putain, y a des dingos, quoi. Y a pas de croco. Oh merde. Ah, ils suivent pas dans l'eau. Hein. Hop là. Infiltration réussie. On regarde à gauche, on regarde à droite. Est-ce que je vais pouvoir escalader cette petite texture ? Non. Merde. Ah c'est bon, il a pris le pont je crois. Ouais. Oh putain, je me disais merde, y'en a un qui descend. Je vais me faire spotted. Je vais passer par les champs. Ce sera beaucoup plus simple. Alors. Non, il est pas près de la tour. Mais je vais profiter justement pour prendre cette tour aussi. Je suis juste à côté. Attendez, il y a bien un point de vue là. Bueno. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Bon, je sais quoi, je vais prendre la tour et de la tour, j'irai... Je pensais pas qu'il aurait pu me spotted. Bah, attendez, je vais prendre la tour. Et de la tour, je prendrai la tyrolienne qui m'emmènera jusqu'au type. Là, c'est stylé de faire des roulades comme ça. Oh, s'il y a plus discret que la tour comme ça, là, dites-le moi. Huss ! Ah, je déteste ça. Hop là. Voilà, j'ai grugé.
Oh, il faut faire un... C'est risqué comme truc. Hop là. Allez, bon, c'est un peu bordélique, mais... Le principal, c'est d'arriver au bout. En haut, donc. Alors, attendez. Bon, où est le truc, là? Hop là. Ça, c'est fait. Bim, bim. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas activé de tour. Ça m'a manqué. Ça m'a presque manqué. Mais y a personne. Le vecteur est maintenant gratuit en magasin. Génial. Oh, c'est pas Vectant qui me brancherait, c'est ce sniper. Ce sniper avec un petit silencieux là. Un petit silencieux. Personne ne doit me voir tant que j'ai pas changé de vêtement. Ne vous faites pas repérer. Ne vous faites pas repérer. D'accord. C'est toi ce bruit? Là, j'ai pas d'arme, il doit pas me faire repérer. Si tu tues quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Attendez, je vais faire ma seringue spéciale. Confection, combat. Perception accrue. Hop. Ah mais ils sont tous en bas, en dessous. Ouais, ils sont tous en bas. Il y a personne au-dessus. En tout cas, la descente a une efficacité accrue. Ah, je pouvais pas le tuer? Je pouvais même pas faire F. J'ai pas compris ce que je devais faire en fait. Parce que moi, je voulais essayer de le tuer. Ah d'accord, je dois d'abord récupérer l'uniforme. Ouais, mais ils sont tous en bas, donc c'est nul. Si tu tues quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Attends, faut que je trouve un uniforme déjà. J'ai regardé, ils sont tous en bas. Ah ouais, mais genre lui là, faut que j'aille en bas. Oh là là. Et merde. Ouais. Genre je vais passer derrière lui, mais normal. Je peux pas sauter là-dedans, c'est trop risqué. Hop, attendez, confection. Je vais me refaire mes seringues de chasse. Non, pas de chasse. De combat. Hop, je vais mettre là. Hop là. Je tue quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Hop. Là, il y a un conteneur. On va le prendre. J'étais à deux doigts de me faire opérer. Putain, mais c'est pire qu'Hitman ce jeu. Putain,
Ouais, surtout que me rend moins visible, mais aussi. En plus, j'ai une compétence qui permet de réduire mes bruits de pas. T'as quoi dans ton corps? C'est le mec qui pense à piller et des pauvres colliers de perles et tout. Merde, je vois plus rien. Comment c'est trop pratique de se déplacer rapido quand t'as accroupi. En fait, faut éviter de faire des bruits, genre des petits sauts et tout. Vas-y, va voir, va voir. Voilà, sinon Hitman, il réagissait comme ça quand on faisait du bruit. Je pourrais passer derrière eux beaucoup plus facilement. En tout cas, utile aussi la compétence errant qui me permet d'augmenter la durée des seringues de 50%. Ça évite d'en faire 4000 et... Je dois aller où là? Calou, il me fait chier. Confection, est-ce que je peux encore en faire? Mais genre plein. Et j'aurais pas moyen de jeter ça là? Et bah. On va utiliser, mais ça. Ininflammable. Et. Est-ce que les effets s'accumulent? Non, je crois pas. Apparemment, non. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Je sais pas comment faire. Pitié ne me voit pas, 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 pitié ne me voit pas. Je vais essayer. Et merde, je pensais qu'il allait passer genre normal. En tout cas, je pouvais. Non, c'est ce que j'ai fait. Mais je peux pas passer. Il est devant la plateforme. Et il n'y a aucun moyen de l'éloigner. Attends, c'est moi ou... Des barres. Vu que je suis arrivé là, ça va compter comme un checkpoint. Attendez, mais c'est énorme là, ce qui s'est passé. Non, pas ça. Combat. Oh, j'ai plus de feuilles écarlates. Et merde, ça prendra à pas cueillir. Pas qu'hier plus souvent. Prends tous les cadavres. Faut que j'envoie de l'argent chez moi. C'est le vieux Gripsou là qui pense à prendre les coffres. Bon allez, c'est parti mon kiki. Alors. Medikit. T'as quoi sur toi? Une cigarette écrasée. Je trouve un accès plus sûr. Waouh, waouh, waouh. Je vais essayer de tous les marquer déjà. Ça me permettra de les faire apparaître sur ma minimap. Des lance flammes man. Okay. Y a bien un truc.
Mais il y en avait un autre ? Je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Apparemment, faut pas que je saute dans l'eau non plus. Ah, c'est ici que je vais atterrir. D'accord. Non, attendez, je sors déjà l'appareil photo. Hop. Faut passer par là, j'ai l'impression. Là. Et bien, vous savez quoi, on va passer par là. Faut que je trouve un accès plus sûr. Là, ils sont trois, on est d'accord. Ouais, l'accès plus sûr, c'est là où j'étais passé, là. Genre par là. Medikit. Paradis, mon Dieu. Donc, eux les deux, là, je les éloigne. Là, je les éloigne. Hop là. Pas de croco. Des trésors en dessous. Ça, je vois un gros requin là. Non, non. Je me méfie. Hop là. Voilà. Les manches couvrent les tatouages. Eh bah oui, les manches couvrent les tatouages. Ah putain. Il est débile, hein. Appel. Sam, je suis prêt. Apparemment, le type s'appelait Foster. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comme Foster. Souviens-toi. Sois crédule. Il faut que tu croies à tes mensonges pour que ça marche. D'accord. Uniforme mercenaire. Nouveau didacticiel. Échappe. Vous portez l'uniforme de mercenaire. Les mercenaires n'attaqueront pas tant que vous ne les provoquez pas. D'accord. Mmh. Bon allez, Hoyt vient faire l'inspection des nouvelles troupes. Je veux voir tout le monde en rang pour la revue. Préparez-vous. C'est bon. Salut. Suivant, allez, on avance. Ok. Allez, allez, on avance. C'est ok? C'est bon, suivant. C'est bon, Fosseur. Je hais ce trou. Psst. T'as envie de te faire du blé? Pourquoi tu crois que je suis là? Un lieutenant du coin qui s'appelle Vaz vient de se faire descendre. Et il y a un territoire à piller. Ces gars se font des couilles en or. Alors pourquoi pas nous? Il faudrait Hoyt là-dedans. Un bon lit. Hoyt a d'autres soucis. Pour l'instant, il n'y a qu'à se servir. Mais ça durera pas. Alors autant se bouger le cul, non? Je veux, oui. Ok. Va écouter le speech. Hé. Hey. Si tu parles à qui que ce soit de notre conversation... T'es mort, c'est clair. Bien joué. Allez, ça commence. Tout se passe bien. Si je me mets devant, comme un premier de la classe. C'est bon, il y a un type dans une cage. Ah, mes très chères et innocentes nouvelles recrues. Je vais pas vous mentir, nous sommes tous ici pour l'argent. Mais c'est pour le bonheur de mes hommes que je me lève chaque matin. Mon père, payé à son âme, était chercheur de diamants.
se levait à l'aube tous les matins, fumait sa cigarette, et ensuite il descendait sous terre. Pour cet homme admirable, l'entreprise était tout ce qui compte. Je fous le même respect à notre modeste entreprise. Et je n'attends rien de moins de votre part. Alors, il n'y a que trois règles que vous devez suivre impérativement. Primo, protégez ma marchandise. Vous pouvez en profiter, mais en douceur. Deuxio, tirez à vue sur les autochtones. Et enfin, tous les profits me reviennent. Je suis un chef compréhensif. Mais si vous manquez à une seule de ces règles... je vous fais rôtir comme du vulgaire poulet jusqu'à ce que votre peau soit croustillante. Bon, assez parlé. Ces sauvages veulent détruire l'œuvre de ma vie, ma plus grande fierté. Montrez-leur qu'on ne plaisante pas. Ah, j'allais oublier. On a une prime spéciale ce mois-ci. Une île rien qu'à vous. Pour la tête de Jason Brody. J'aime bien. Et moi, je suis juste là. C'est ça qui est marrant. La viande de chien, quitter le bateau, mais genre à la nage. Genre à la nage. Ah oui. Ils vont pas se dire, mais c'est bizarre, pourquoi ils nagent. Hop là. Allez, j'interagis. Et c'est parti, je me casse. Allez, sortons de cette grotte de malheur. C'était pas mal, c'est assez rigolo. Oh, il y a des... Infiltré, c'est bon. Il vient de descendre du bateau. Maintenant, les miliciens ne te remarqueront plus. Mais évite de te faire voir en faisant un truc suspect. Tuer, étrangler, saboter, ils apprécient pas trop. Bluff-les, Jason. Il y a une piste avec un des miliciens. Un groupe de traite veut tenter de voler Hoyt. Je me dis que si je les tue, Hoyt me fera confiance. Ah oui, l'approche indirecte, bonne idée. On aurait pu tuer Jason Brody aussi. Mais ça aurait été gênant, n'est-ce pas? J'ai un peu surveillé les traîtres de l'intérieur. Ils ont trois capitaines, et il est possible que l'un des trois possède une liste de tous leurs membres. Tu l'es, récupère la liste, et je ferai en sorte que Hoyt sache quel bon soldat tu es. Ils sont basés où? Dans un ancien temple. Je t'envoie les coordonnées. Ouais. Mmh. Tous les matins, je fais de la lévitation. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ça devient fort intéressant. Vous savez quoi? Bah là, je vais faire toute l'île. Je vais me balader dans toute l'île. Et débloquer tout. Tout. Toutes les tours radio, je vais les débloquer. Et après, je vais niquer tous les quais. Au fur et à mesure. Mais est-ce utile, vu que j'ai un uniforme? Oui. Ne serait-ce que pour embellir mes déplacements qui seront beaucoup plus rapides. Et aussi pour me faire un petit peu d'expérience. Pour... gagner des points de compétence. D'ailleurs, pour un point de compétence, j'ai un point. Deux points. Et ben alors. Alors, appuyez sur F. Alors, un artilleur lourd. Alors là, en abattant, regardez ça. C'est super compliqué à tuer, donc les avoir par derrière, ça peut être bueno. Et l'araignée, j'ai quoi? Subissez moins de dégâts des animaux, ça c'est quoi? Recharger les fusils d'assaut, fusils sniper, 25% plus rapidement. Je prends. Après ça c'est plus d'argent, mais bon. On va dire que pour le moment ce n'est pas...
C'est quoi ça? Voler un pistolet d'une cible utilisé pour éliminer des ennemis à proximité. Ah, faut des prérequis. En gros, il y a des trucs de talent qui se débloquent avec des prérequis. Par exemple, celui-là, là, il faut que je tue 20, 10 personnes avec des armes de poing pour pouvoir débloquer cette compétence et pouvoir l'acheter. Là, pareil, là, faut que j'ai des gilets par, faut que je porte 3 gilets par balle. J'en ai porté qu'un seulement. Prérequis, ravitaillement terminé. Voilà, il faut que je fasse quoi? Ah ouais, je dois terminer 3 quêtes de ravitaillement. Vous savez, les quêtes avec les quads et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est bueno. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine avec l'île un petit peu plus découverte. Allez, salut tout le monde. Bye bye.